Le retour de Djao à gauche. Et donc, je pense qu'il a confiance à ses hommes. Maintenant, il faudra nous faire des. De lui, Fowa, Kamara Sekou dans les buts, Touré Alia. Essentiellement de joueurs issus des centres de formation. Le centre de Biram Djao, repoussé par la défense, le danger et n'est pas écarté. Pour autant, la frappe contre, il me semble, et ce sera un corner pour les Lionceaux du Sénégal. Ouais. Ils jouent long. Alia Bangoura. Attention à cette frappe directement sur El Hadj Malick Gueye. Souleymane Faye qui va au pressing. Attends, mon espace, Samba Diallo. La frappe de Samba Diallo. C'est au fond. 10 minutes de jeu grâce à Samba Diallo. Bonne entame de l'équipe du Sénégal. Ouais, meilleure entame que le soir du match contre le Maroc. Les gars sont. Et on revoit. Il ne doit rien à personne. But de Souleymane Diallo. Pied gauche avec un rebond qui a joué un sale tour au portier guinéen. Attention, ça, Boubacar Diallo, la frappe. Il n'y avait personne pour l'action offensive très discrète aussi. Et Al-Ghassi Mouba et autres. Mohamedou Diaw, la sortie du portier dans les pieds de l'attaquant sénégalais. Et ça sera. Mohamedou Diaw, joli contrôle orienté. Ah, c'était très bien amené. Par le capitaine sénégalais qui fait parler encore une fois son temps. Biram Diaw au second poteau. Ah, le coup de tête qui passe à côté. Quelle belle extension, quelle détente verticale. Attention, c'est parti. Arrêt de terre contré par Biram Diaw. Celui-là même qui avait. On met dans la boîte au second poteau. La remise de la tête et le portier El Hadj Malick Gueye est là pour relancer. Samba Diallo va essayer de dribbler le centre et le portier Sekou Kamara. Attention. On cherche toujours l'attention. Il s'est loupé. La frappe et le but. Il a raté son contrôle. Et ça se fait. Oui. Donc là, ça a été une erreur individuelle. Mais là, il ne faudra pas baisser la tête, il faudra se reconcentrer. Là, il rate complètement le contrôle, cher Omar Ndiaye. El Hadj Malick Gueye ne pouvait. Donc, c'est Malick qui est avec le groupe, donc c'est lui qui. Ouais. C'est lui qui connaît pourquoi il a fait ce changement. Balle. Les Guinéens qui vont repartir avec Conte, le décalage là-bas, frappe directement sur le portier et qui met le ballon en gauche sénégalais. Ah, ça c'est une belle séquence, Pamadar Sarr l'amorti et Samba Mohamedou Moustapha Diaw. Je pense que l'arbitre avait déjà sifflé, Boubacar Diallo. Ah, c'est bien joué de la part de Mohamedou Moustapha Diaw. Et oui, l'arbitre qui siffle le coup franc, il y a Bangoura, oui, le rouge. Le carton rouge. Le voilà, Pamadar Sarr au-dessus des buts. Dégagement de la défense. Ahmed Saloum Faye, la frappe contrée. Et c'est le portier Sekou Kamara qui va éviter le corner. Saloum Faye, joli toucher de balle. À quelle passe Aline Badara Baldé. Ah, quelle passe de Ahmed Saloum Faye. L'action n'est pas terminée. Dedans, Samba Diallo qui tue un oiseau. Le jeu qui se poursuit alors qu'il y a un joueur guinéen au sol. Attention. Boubacar Conte, la frappe de Conte à côté des buts de El Hadj. Poste pour poste, poussé pour mettre un peu plus de 109 au niveau de l'entrée. Attention à cette frappe qui passe à côté, dessiné à l'une Badara Baldé. Attention à cette échappée d'Al-Ghassi Mouba, la frappe d'Al-Ghassi Mouba et l'arrêt salvateur de El Hadj Malick Gueye. Le centre de Baldé. Et l'arrêt du portier Boubacar Diallo à côté. Bel arrêt du gardien. Ah oui, là, il nous a sorti déjà. Ah, c'est le carton rouge. Pas mal, ça. Pour. Ah, quelle passe
Je crois que c'est Alia Touré qui fait cette passe lumineuse. Il défend en opposition, ouais, mais il n'a pas fait. Ouais, il a laissé sa jambe, il n'a pas encore. Il marque un but d'attaquant. Il était là présent, d'accord, mais il n'a fait aucun geste. Il lâche un peu le marquage. Il devait mettre son pied, sa jambe.